Bien évidemment, bienvenue à la présentation de Marie Blazer avec Clean Code. Je vais passer rapidement à la prochaine slide. Je vais juste voir si... Ouais, OK. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Dunn, évidemment, en parler, c'est mon employeur, c'est la division de développement logiciel de Pixis. Donc, on est anciennement connu sous le nom de Pixis Studio, renommé à Dunn depuis maintenant presque un an. On peut passer à la prochaine. Donc, une petite introduction pour commencer. Je m'appelle Bruno, je suis développeur et team lead chez Dunn. Je suis aussi un des hôtes du Bracket Show avec un de mes collègues. C'est une chaîne francophone sur YouTube qu'on anime depuis maintenant 4 ans. On parle de différents sujets de développement, comme par exemple des outils, patrons de conception, des trucs, des astuces. C'est entre autres grâce à cette chaîne que j'ai eu la chance, l'honneur de me faire décerner le titre de MVP de Microsoft cette année. Et donc, la conférence que je vous présente aujourd'hui, c'est un peu le résultat de la suite de cette aventure-là. Après avoir fait des vidéos, des entrevues avec des conférenciers, j'ai décidé de m'essayer avec une conférence que j'ai eu la chance de présenter à la première édition du Blazer Day en juin dernier. Donc, j'espère que vous allez l'apprécier. On peut passer à la prochaine. Donc, premièrement, pourquoi Clean Code ou pourquoi on voudrait que notre code se lise comme de la prose bien écrite? On peut passer à la prochaine. Ah, oups, désolé, j'avais les slides promo, effectivement. On peut les passer, désolé. On peut aller vers, juste pour accélérer le processus, tu peux passer à la prochaine aussi, Marie-Ève, merci. Et on va aller à la suivante, désolé. Donc, la mesure de qualité de code. En tant que développeur, on a tous été... oups, là, tu es allé trop loin, désolé. Il faudrait revenir à la précédente. Merci. Donc, on a tous été à un moment ou un autre de notre carrière du côté droit de cette image. Soit pendant une revue de code, soit en retournant dans un vieux projet, ou encore quand on hérite d'un projet qui a été fait par quelqu'un d'autre. Le pire, c'est quand on réalise que toutes les WTF qu'on dit viennent du code qu'on a écrit quelques mois auparavant. Ce qui nous amène à Clean Code, un livre qui a été écrit par Robert C. Martin, connu aussi sous le nom d'Uncle Bob. C'est entre autres un homme qui a contribué au Manifeste Agile et a établi des bases de développement logiciel comme les principes solides. Son livre, c'est une collection de bonnes pratiques dont le but est de faire qu'on écrive du meilleur code. Du code qui est facile à lire pour vous et pour les autres développeurs. Du code facile à maintenir, du code facile à tester. Au final, du code qui va faire qu'on va se retrouver du côté gauche de cette image. Et on peut passer à la prochaine slide. Et donc, oui, c'est ça, merci. Donc, avec Blazer WebAssembly, qui est officiellement disponible depuis le mois de mai, il y a un gros engouement pour l'utiliser parce que c'est un sérieux candidat pour tout ce qui est développement d'applications monopages, connues comme les single page apps. Puis évidemment, quand il y a de l'engouement, d'excitation, on a souvent tendance à mettre les bonnes pratiques de côté parce que, faut dire, c'est le fun de jouer avec des nouveaux jouets. Si je peux donner un exemple d'actualité, il n'y a probablement pas beaucoup de gens qui vont lire le manuel de leur PlayStation 5 le jour où ils vont en trouver une. Ils vont vouloir la démarrer le plus rapidement possible. Donc, ce que je vais faire dans les prochaines sections, c'est mettre en évidence certains principes de Clean Code et comment ils peuvent être intégrés dans le développement Blazer pour faire que vos premiers pas avec Blazer vont produire des applications robustes. Évidemment, ces principes-là peuvent s'appliquer au développement logiciel en général, mais la majorité de mes exemples sont tirés du template, du gabarit par défaut de Blazer WebAssembly pour qu'on voit comment on peut partir de ça et le rendre plus clean. On passe à la prochaine. Donc, on va commencer par une des choses les plus cruciales au niveau de Clean Code, les noms significatifs. Une chose qui est importante, c'est d'avoir des noms qui révèlent leur intention. Pas seulement au niveau des variables, mais aussi pour les méthodes, les classes. Et on passe à la prochaine. Donc ici, quand on dit que les noms sont cruciaux, la sémantique est tout aussi importante. Imaginez un cas où on développe un système de gestion de ressources humaines. Il y a une énorme différence entre congédier un employé, comme on voit sur l'image de gauche, et supprimer un employé. Puis aux dernières nouvelles, d'ailleurs, supprimer quelqu'un, je ne pense pas que c'est permis dans la majorité des pays. Donc, le nom de vos objets, propriétés, méthodes, devrait refléter ce que les utilisateurs font avec le système, pas ce que les développeurs font dans le code.
Par les mêmes langages que les utilisateurs, va aussi avoir l'avantage de permettre une intégration plus facile, autant pour des nouveaux utilisateurs, des nouveaux décisionnaires, mais aussi pour les nouveaux développeurs. On peut passer à la prochaine. Donc, considérant ceci, on va regarder la méthode qui récupère les données météo dans une des pages du gabarit de projet Blazor. Si on regarde la première partie dans la variable forecast, on voit clairement ce que ça contient. C'est pas obscur, c'est facile à lire, ça révèle clairement les intentions, puis il y a pas de désinformation dans le nom, comme par exemple si on voyait le mot liste alors qu'en fait c'est un tableau. Par contre, l'appel pour aller chercher les données, ça révèle pas clairement les intentions. Oui, ça nous dit que ça va chercher les données d'un API web, mais c'est pas quelque chose d'un point de vue composante HTML qu'on a besoin de savoir. Présentement, on sait même pas quelles données ça va chercher. Autre que le fait que c'est un tableau de prévision. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est ce que ça va chercher beaucoup plus en termes de domaine. Donc, si on regarde la deuxième partie, si on fait juste déplacer l'appel d'un service avec un nom qui nous dit clairement ce que ça fait, la méthode qui ressemble à ça maintenant, c'est beaucoup plus clair ce que notre composante va chercher comme données. Et si on regarde la troisième partie, dans le fond, si on va une coche un peu plus loin, on peut même aller voir que l'appel HTTP en remplaçant la string par une constante, on a déjà quelque chose de beaucoup plus lisible qui va nous dire qu'est-ce qu'on va chercher comme information, mais sans nous donner le détail de la route de l'API, qui n'est pas quelque chose qu'on a besoin de savoir. Et au-delà de ça, le fait d'utiliser une constante, ça va aussi avoir l'avantage de pouvoir se récupérer côté test unitaire pour vérifier qu'on ne fait pas une petite faute dans la string qu'on utilise puis qui ferait une erreur de ce côté-là. On peut passer à la prochaine. Oui, les fonctions. Donc, la manière que vous écrivez les fonctions, que vous écrivez vos fonctions, c'est un autre pas vers du code clean. Comme Uncle Bob dit, la première règle, c'est que vos méthodes devraient être petites. La deuxième règle dit qu'elles devraient être encore plus petites que ça encore. Donc, si on passe à la prochaine. Cette méthode-là, ça vient en fait du projet serveur du site web du Bracket Show qu'on a fait en Blazor WebAssembly. Mais dans le fond, le concept s'applique autant côté client que pour tout ce qui est projet qui ne sont pas en Blazor nécessairement. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on va chercher toutes les vidéos d'une playlist YouTube pour les afficher dans un carrousel sur le site. Ce n'est pas une petite méthode, puis il y a beaucoup de lectures à faire pour voir ce qu'elle fait concrètement. Donc, plus c'est petit, plus c'est facile à tester. Et en plus, si on donne des noms significatifs à nos méthodes, tout va se combiner pour faire quelque chose de très lisible. Une chose aussi qu'on a dans ce cas-ci, depuis la version 7 de C#, c'est qu'on peut extraire des méthodes locales à l'intérieur de notre méthode, si ce n'est pas des méthodes qu'on a besoin d'exposer au reste de notre classe. Donc, on peut passer à la prochaine slide. Donc, ici, on voit qu'avec un peu de refactoring, la méthode en soi est beaucoup plus petite avec l'aide des fonctions locales dans ce cas-ci. Et remarquez en même temps comment le nom des méthodes est crucial pour être extrait en quelque chose de beaucoup plus lisible. Je dirais généralement une bonne pratique et un réflexe que je tente de faire généralement dans mes projets, c'est de limiter les méthodes à 5 instructions. Si on en a plus, généralement, c'est qu'on a quelque chose qu'on peut sortir vers une autre méthode pour simplifier et avoir une meilleure lisibilité. Un autre bénéfice de ça, c'est que par exemple, si on est plusieurs développeurs à travailler sur le même projet, ça réduit les occasions où on peut avoir des conflits lors des merges. Donc, si on prend l'habitude d'extraire vers les méthodes plus petites, on a définitivement du code plus facile à maintenir. À la prochaine. Donc, on va parler d'un autre des plus grands bénéfices, à mon avis, de Blazor, c'est le projet Shared. On peut tout de suite passer à la prochaine. Une des choses, c'est sûr, que j'aime le plus, c'est ce projet-là. C'est fini, par exemple, dans un scénario où on a une application Angular, par exemple, côté client, et un back-end, un serveur en C#, de devoir écrire des classes pour que notre API expose un objet donné et par la suite faire exactement la même interface côté TypeScript pour que notre client puisse recevoir les données puis les interpréter de son côté. Avec le projet Shared, on met ça à un seul endroit, on n'a pas besoin de répéter, serveur et client y ont accès. Par contre, une chose qui est à faire attention, et c'est pour ça que j'ai montré ici avec un autre projet qui serait derrière le serveur, il faut faire attention pour limiter l'accès à ce projet au client et au serveur uniquement.
J'ai vu des projets dans le passé, par exemple, où on avait une stack technologique commune en TypeScript à 100%. Donc, côté serveur en Node.js, côté client Angular, où on avait des objets partagés comme ça de la base de données jusqu'au client. Ça, évidemment, ce n'est pas quelque chose à faire. De la même manière que nos objets de données devraient rester le plus proche possible de nos données, puis jamais être exposés en dehors du domaine. Les objets qui sont dans le projet Shared ne devraient jamais passer au-delà de la couche serveur pour s'en aller plus loin dans le domaine. Donc, il faut faire attention à limiter ça. On peut passer à la prochaine. Donc, une autre chose qui est géniale à mettre dans ce projet Shared, c'est les validateurs. Parce qu'on peut avoir des règles de validation implémentées autant du côté client que du côté serveur. Pas besoin d'écrire la logique en double parce qu'on a deux technologies différentes. On partage. Vous voyez sur le côté gauche ici, j'ai montré un exemple avec les data annotations de Microsoft. Par contre, moi, je suggère plutôt d'aller vers un package NuGet qui est Fluent Validation, qu'on voit à droite, qui est de un beaucoup plus facile à tester. Et ça renforce un des principes fondamentaux en programmation, la single responsibility. Donc, on ne mélange pas notre objet DTO et les règles de validation dans la même classe, c'est séparé dans deux modèles différents. Et ce qu'on voit en bas de l'image, c'est que pour la partie client, en plus, on peut utiliser un autre package NuGet qui est Blazor Fluent Validation pour intégrer cette validation-là directement dans nos formulaires d'édition. Donc, on a simplement ajouté la composante et ça va fonctionner. On peut passer à la suivante, les tests unitaires. Évidemment, personne ne veut démarrer un nouveau projet sans faire le test unitaire. Par contre, on va aller voir, il y a certaines limitations présentement avec Blazor de ce côté. Donc, on va aller voir ce que c'est, puis comment on peut passer à côté de ces limitations-là. Donc, tester des composantes, pour moi, c'est pénible. Quand on parle de tester des composantes, on parle de créer des tests, par exemple, pour vérifier si un markup ou non est affiché. Dans le contexte ici, par exemple, si on a des données, on veut vérifier qu'il y a bien un élément table qui est affiché avec les données. S'il n'y en a pas, on veut vérifier que c'est un paragraphe qui est affiché. Ce genre de test, peu importe la technologie, personnellement, ce n'est pas une activité plaisante. Donc, j'essaie d'éviter le plus possible ce genre de test. Côté Blazor, en ce moment, il existe une librairie qui s'appelle BUnit, qui est très prometteuse pour ça, mais qui est encore en bêta. Donc, on pourrait manquer certaines fonctionnalités qu'on a besoin pour bien tester nos choses. Donc, la question rendue là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer de la qualité de nos applications tout en limitant les tests de composantes? On peut donc passer à la prochaine slide. Évidemment, premier point, c'est extraire la logique dans des services qu'on peut tester unitairement. Tout ce qu'on peut sortir de nos composantes HTML, on le fait. Deuxième point, c'est conserver uniquement la logique qui est en lien avec l'affichage. Les composantes, si on peut dire, devraient être stupides. Elles émettent des actions qui changent l'état de l'application, modifient le visuel, mais ne devraient pas en faire plus que ça. Le point numéro 3, c'est que cette logique devrait être dans des méthodes ou dans un état immuable, par exemple, mais pas dans le HTML. En plus de faire que on extrait la logique dans quelque chose de plus clean, ça rend le côté HTML beaucoup plus lisible. Et évidemment, le dernier point, si jamais, malgré tout, on a besoin de faire certains tests, qu'on est bloqué via les limitations d'une librairie externe, on peut aller vers des tests end-to-end, comme avec Cypress ou Selenium. C'est quelque chose d'un peu plus de, ça demande un peu plus de travail de démarrer dans les tests end-to-end. Par contre, si c'est vraiment un besoin qu'on a, ça vaut la peine de faire l'investissement et en plus, ça amène tous les autres avantages que les tests end-to-end ont. Là, on pourrait passer à la prochaine. Je ne sais pas si on va avoir le temps de tout compléter. Mais donc, on va y aller avec quelques trucs qui sont pas nécessairement reliés à Clean Code, mais qui, à mon avis, devraient faire partie du bon démarrage d'un projet. On peut passer à la prochaine. Donc ici, par défaut, le projet Blazor vous met une structure classique où les choses sont groupées par type de fichier. Les composantes ensemble, les pages ensemble, les services si on avait ensemble. C'est bien de prendre le temps de restructurer les choses pour amener une structure un peu plus orientée par concept de domaine.
En plus, avec l'arrivée de .NET 5 qui est disponible depuis le mois de novembre, on va plus facilement être capable d'extraire certaines de ces fonctionnalités-là vers des projets pour être faites en lazy loading, donc qui vont être chargés uniquement au moment où on en a besoin. Est-ce qu'on a le temps de passer à la prochaine? Je vais considérer que oui. Donc ici, séparer la vue de la logique. Par défaut, Blazor nous crée nos components où on a par exemple le HTML et une structure avec le code dans le même fichier. Ce qu'on peut faire, c'est avec les classes partielles, on peut sortir ça puis avoir vraiment le HTML dans une classe et le code dans une autre. Un des avantages simples que je peux voir avec ça, c'est juste pour permettre de travailler par exemple avec deux onglets côte à côte pour quand on travaille sur une page, un gros avantage. Et ça amène aussi le fait que, par exemple, quand on fait nos commits, on peut facilement voir qu'on a changé quelque chose côté HTML ou côté code parce que c'est juste avec le fichier. On peut voir on a touché au HTML ou à notre classe. On peut passer à la prochaine. Ici, évidemment, il y a le préambule juste avant, si tu veux remonter, Marie-Ève, s'il te plaît. Première fois que j'ai entendu parler de Blazor, il y a 2 ans, je pensais que je n'allais plus jamais écrire de JavaScript. Pour un développeur C-Sharp comme moi, c'était un rêve devenu réalité. Par contre, j'ai rapidement constaté qu'on ne pourrait pas se débarrasser de JavaScript aussi facilement parce qu'on a quand même une énorme librairie de packages disponibles de ce côté-là. Donc, probablement, j'en écrirai encore un peu, moins, mais quand même un peu. Ce qui est quand même assez facile à faire avec l'interop que Blazor nous rend disponible. Par contre, de fil en aiguille, après avoir lu un peu sur l'Internet, j'ai trouvé un blog qui m'a permis de revenir à la case départ où je n'écrirai pas de JavaScript. Oui. Merci. Donc, en écrivant du TypeScript à la place, en achetant un projet de type Razor Class Library à notre solution, on peut faire du TypeScript, comme on voit par exemple ici à gauche, une classe qui va, avec la fonction load appelée à la fin, être chargée directement dans notre objet window au chargement de notre application Blazor. Par la suite, ce qu'on voit avec la classe de droite, c'est qu'on peut facilement utiliser ça avec l'interrupt qui est disponible avec C-Sharp et Blazor. Évidemment, passer le JavaScript à TypeScript, c'est une chose, une très bonne chose, mais ce qui me dérangeait le plus dans tout ça, c'était que c'était pas testé. Donc, parce que même si on a quelques lignes de JavaScript ou de TypeScript, ça reste que si on ne le teste pas, on a des risques d'introduire des bugs dans notre application. Donc ici, on peut passer à la prochaine. On peut voir que comme c'est des classes TypeScript, c'est facilement possible de les tester. Ici, j'ai mis l'exemple d'une classe de test pour montrer la faisabilité. Évidemment, ça prend un projet dans notre solution qui est de type Node.js pour être capable de connecter ça avec notre Razor Class Library. Mais ça rend ça possible. On arrive à la conclusion. Donc, si tu peux passer à la prochaine slide, on peut même passer tout de suite à la prochaine pour être sûr d'avoir le temps. Donc, en conclusion, prenez pas, s'il y a des points à retenir, prenez pas ce qui vient des gabarits comme un exemple à suivre nécessairement. C'est un bon point de départ pour apprendre, mais ce n'est pas là pour renforcer les bonnes pratiques côté clean code. La logique d'affaires, on la garde le plus possible dans des services testables, pas dans notre UI. On choisit avec soin nos noms parce que c'est crucial autant pour les développeurs que nos stakeholders. Et évidemment, lisez le livre Clean Code qui est une excellente référence. Et je peux conclure peut-être avec la dernière page, si tu peux aller à la dernière, Marie-Ève. Évidemment, je vous invite à aller voir sur Done Techno à Jeuleton, Montréal, pour avoir la présentation. Avec aussi un outil exclusif qu'on a fait, un one-pager, qui est un peu un résumé de ce qu'on vient de parler. Et évidemment, si vous aimeriez revoir cette présentation-là, par exemple, avec votre équipe à l'intérieur de vos entreprises,
S'il y a des groupes de 6 personnes ou plus, il y a possibilité de réserver pour que je refasse la présentation. Évidemment, avec, je l'espère, un partage d'écran qui me permettrait de le faire facilement. Mais c'est ça. Donc, ça serait possible. Il n'y aurait pas de problème. Merci.